Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, détournement par des malfrats de plus de 800 sacs de farine de biens destinés à l'assistance des déplacés de Kanyabalonga en territoire de Lubero. Heureusement pour ces derniers, ces vivres et quelques bâches ont été récupérés par l'auditorat militaire de garnison de Boutembo, à suivre dans ce journal. Une grande conduite d'eau au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Kisangani a été endommagée par un engin dans un chantier de construction dans la commune de la Gombe, causant ainsi une interruption dans la fourniture d'eau. Une équipe de la Régie des eaux est à pied d'œuvre pour rétablir cette situation. Enfin, élaborer une feuille de route nationale pour la protection de la biodiversité et la valorisation de l'écosystème du bassin du Congo. Les experts nationaux et internationaux se sont réunis ce jeudi à l'hôtel du fleuve Congo pour trouver des pistes de solutions face au changement climatique. Ça sera tout pour les titres, mesdames, messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Nous venons de l'apprendre, la coalition RDF M23 est en débandade dans la cité de Sake, en province du Nord Kivu. Savou en vaincu, les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont largué à l'aveuglette des bombes suite à la force de frappe des forces loyalistes sur cette cité, causant ainsi des dégâts matériels importants. Suivons à ce sujet le porte-parole des FRDC du Nord Kivu, le colonel Njike Kaiko. Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les terroristes de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 se sont mis à bombarder à l'aveuglette la cité de Sake et ses environs. Et à cette occasion, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires ont réagi de la manière la plus efficace. À ce stade, je peux vous rassurer que le mouvement ennemi a été stoppé net. Le reste des actions vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Toutefois, nous demandons à la population d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et nos différents partenaires, mais aussi et surtout de ne pas se fier aux rumeurs qui fait sur qu'il est l'ennemi dans les réseaux sociaux. Incroyable mais vrai, le parquet de grande instance de la ville de Goma a présenté au maire de la ville 877 sacs de farine et 38 bâches. Il s'agit des biens destinés aux déplacés de guerre vivant au camp de Kanyabalonga dans le territoire de Lubero qui ont été détournés par une bande des citoyens déjà aux arrêts. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC du Nord Kivu. L'auditeur militaire, le major Georges Ngoua, précise que ces sacs de farine ont été saisis entre les mains des transporteurs alors qu'ils venaient d'être volés dans des dépôts des déplacés à Kanyabayonga sur le territoire de Lubero. Ces biens détournés viennent d'être remis au maire de Boutembo ce jeudi 30 mai 2024 pour qu'il les remette à son tour aux déplacés. Il s'agit d'une opération qui consiste à remettre au maire de la ville un lot de la farine destinée aux déplacés qui a été vendu et acheté. On a appréhendé ça dans des camions en train d'être transportés vers une autre destination, des buts commerciaux. Nous avons saisi 877 sacs que nous venons de remettre à la mairie de Boutembo parce qu'il y a des déplacés dans la ville. Je crois qu'ils peuvent être bénéficiaires au lieu de laisser ça entre les mains des malhonnêtes, des citoyens malhonnêtes qui ont volé dans les dépôts des réfugiés. Quand vous regardez sur les sacs, il est écrit que ce sont des produits à ne pas vendre ni échanger. Si un déplacé il est dans le besoin, comment peut-il lui-même déjà vendre ce qui lui est destiné pour son propre bien? Ça, ce n'est pas bon. L'autorité urbaine de Boutempo, le commissaire supérieur principal, Moaba Ekite Roger, remercie les services de sécurité qui viennent de réaliser ces jolis coups de filet. Tous les malfaiteurs seront toujours découragés par de punitions exemplaires, notre les maires. Nous remercions l'auditeur pour cet acte imposé et nous supposons que l'opération va continuer pour décourager ce genre d'actes qui n'honorent pas la République démocratique du Congo. Bon, nous ne connaissons pas la destination. Nous ne voyons que les produits qui sont devant nous. Les vrais destinataires sont à Boutembo. Qu'est-ce
seront les bénéficiaires. Des femmes qui accompagnaient ce sac de farine de Kanyabayonga vers le territoire de Beni disent qu'elles ont acheté ces biens auprès de déplacés eux-mêmes. Un délai de 3 jours a été accordé aux députés nationaux pour la mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et du comité des sages. Pour ce faire, le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, Dominique Monongo, a eu des échanges avec les députés nationaux des groupes parlementaires de l'opposition. Le point avec Sylvie Mwembo. Le député national Christian Mwando, dans le bureau de sa collègue Dominique Monongo, devenue rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale. Une rencontre empreinte de cordialité entre deux élus nationaux qui ont déjà travaillé ensemble et qui veulent barrer au plus pressé les directives du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a mis l'accent sur les urgences de cette Chambre législative, notamment les dépôts des listes des groupes parlementaires et des règlements intérieurs. Impose la célérité. Nous avons parlé de comment elle sera remplacée parce qu'elle était rapporteure de notre groupe parlementaire. Elle nous a donné quelques conseils sur sa succession. Nous avons également parlé de ce que le président a demandé, le président de l'Assemblée nationale, concernant le dépôt des listes des membres de notre groupe parlementaire et du règlement intérieur. Évidemment, comme elle était rapporteure, j'ai dû récupérer chez elle donc le règlement intérieur du groupe ainsi que les fiches des différents membres du groupe pour que d'ici samedi, comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale, nous puissions effectivement introduire notre règlement intérieur et la composition de notre groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Hormis les civilités à Madame le rapporteur de l'Assemblée nationale, les députés nationaux Clotilde Moutita, élu de Lubumbashi, et Michel Pundu, élu de Kasenga, ont réitéré leur engagement à accompagner la princesse Dominique Monongo. Vous savez, c'est notre première expérience. Donc avec elle, elle est réélue de Lubudi. Moi, je suis élu double brassard de Lubumbashi. Donc il était question aussi, comme aîné, que nous puissions approfondir un tout petit peu la toute première séance plénière que nous venons de partager avec elle. Avec le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République et député honoraire de 3 législatures précédentes, Dieudonné Bolenguetengue, il était question de rappeler à l'une d'entre eux, élevée au rang des rapporteurs adjoints au bureau de l'Assemblée nationale, le travail lui confié par les élus nationaux. Le président de la République avait donné des instructions fermes concernant la redevance de la chaîne nationale. C'était lors du dernier conseil des ministres. Pour ce faire, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya-Katembwe, a eu des échanges avec les opérateurs de télédistribution sur cette question. Gaëtan Magalano était présent. Se référant à la 135e réunion du Conseil de ministres tenu le jeudi 16 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'active avec toutes les parties concernées sur la redevance en rapport avec la RTNC avant de présenter un rapport complet au président Félix Tshisekedi lors de la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. Autour du ministre Patrick Muyaya, son directeur de cabinet, le directeur général adjoint de la RTNC accompagné du directeur de la redevance, aussi le représentant de Canal+, Mediasat, Primesat et Bleusat. Convaincus, ces télédistributeurs ont accepté de s'y conformer à l'initiative du chef de l'État RD congolais pour l'application effective de la loi instituant la redevance en RDC au profit de la radio-télévision nationale. Il s'agissait de poursuivre les contacts qui avaient déjà commencé avec les télédistributeurs et la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'il faudrait dire que la loi sur la redevance existe, mais en ce qui concerne les mesures d'application, c'est pour cela que nous avons entamé ces différents contacts pour que cela puisse être fait de belle manière, pour ne pas asphyxier les partenaires qui sont les télédistributeurs, mais aussi pour permettre à ce que cette persécution soit véritablement effective. La réunion s'est très bien passée, les pourparlers continuent, un rapport sera fait pour permettre à ce que, enfin, le ministre puisse transmettre son rapport à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République. À titre de rappel, le président de la République, lors d'un conseil de ministres, avait insisté sur la nécessité de cette redevance créée dans le but de permettre à la télévision nationale
née de la réforme des entreprises publiques, d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité, de la formation, de la cohésion nationale. Et puis les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa qui ont pris part au concours de droit international à Bruxelles et à La Haye devant la Cour suprême de justice ont reçu au nom du président de la République les encouragements du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État qui les a reçus ce jeudi au Palais de la Nation. Un reportage de Pierre Kibambe Somwe et Chichi Mbuta. Madame Stacy Adams. Après leur sélection à Kinshasa pour avoir présenté les meilleures mémoires retenues à la faculté des droits, quatre étudiants de l'université de Kinshasa viennent de représenter la République démocratique du Congo à des concours organisés à Bruxelles en Belgique et à La Haye aux Pays-Bas devant la Cour pénale internationale. Ces futurs juristes ont été reçus au Palais de la Nation par Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Ntumba Boacha, professeur en droit international, qui les a vivement félicités au nom du président de la République. Arriver à un procès fictif à la CPI en battant de grandes universités françaises, américaines, parce que vous avez toujours été au Canada, je pense que le concours aussi, c'est un exploit. Je dis toujours, et je leur ai dit ici, que vous savez, votre mère peut avoir la gagne et ça reste votre mère. On a l'obligation sentimentale et patriotique même de la soigner. Et ils l'ont soignée en nous rapportant un prix. Le prix du meilleur orateur dans la personne de Madame Déborah Savanga et le prix, la deuxième place pour le concours de procès fictif. C'était pour un trophée d'ensemble. La joie était comme ça. Et au nom du chef de l'État, je pense qu'il était important de recevoir ici dans leur maison, à la présidence, pour leur témoigner d'abord combien est-ce que le chef tient à la jeunesse. Et je leur ai rappelé ici que parmi les six piliers, les six objectifs que le président a mis en place pour son deuxième mandat, il y a en première place la jeunesse. Ces jeunes ambassadeurs de la RDC ont participé au concours Charles Rousseau sur les droits internationaux à Bruxelles, où Mademoiselle Déborah Savanga a reçu le prix de sixième meilleur oratrice, meilleure plaideuse devant des étudiants venus de plusieurs universités du monde. Le trophée que je porte dans mes mains, c'est le trophée de meilleur orateur au concours de procès simulé devant la Cour pénale internationale que j'ai pu gagner parce que mon équipe avait été qualifiée en finale et que le jury a décidé qu'au regard de mes interventions, j'étais à même d'obtenir ce trophée. Au total, l'équipe ramène deux trophées. D'abord, les trophées de la deuxième place qui a primé l'équipe parce qu'elle est arrivée en finale, mais malheureusement, on n'a pas gagné. Et c'est comme ça que l'équipe a ramené le trophée de la deuxième place, mais également le trophée de la meilleure oratrice qui tient Déborah Savanga entre ses mains. À La Haye, devant la Cour pénale internationale, l'équipe de la RDC est allée jusqu'en finale où elle est sortie deuxième en remportant également le prix des meilleurs. Sachez également que le ministère de l'Intérieur a organisé un atelier de deux jours sur le contrôle des armes légères et petits calibres qui a permis aux participants d'avoir une feuille de route qui va permettre de réglementer la gestion et le stock d'armement en République démocratique du Congo. Chimène Dondo. La première étape sur la validation du plan national action quinquennale 2024-2028 étant franchie, la République démocratique du Congo compte se doter d'une feuille de route pouvant réglementer la gestion de stocks d'armement dans le cadre de contrôle des armes légères et petits calibres en RDC. La Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, soutenue techniquement par le service des luttes anti-mines de la MONUSCO, ont élaboré la première mouture de ces documents. Après quelques jours de travaux. Nous voici arrivés à la fin, dont l'aboutissement en ce jour couronne vos qualités ainsi que vos capacités dans le domaine des contrôles et des gestions des APC dans le but de lutter contre sa circulation illicite sur toute l'étendue du territoire national. Chers experts, durant deux jours de travaux, vous avez fait preuve de plus d'assiduité et de bravoure qui nous a permis d'avoir un document de travail pour l'exercice 2024-2025. Soyez-en sûrs que les recommandations
ainsi que les échanges qui en ont découlé seront scrupuleusement pris en compte. Une première mouture qui passera au crible pour arriver à un document final qui sera de guide dans la gestion et contrôle des armes légères et petits calibres en RDC. L'usine de traitement d'eau de la commune d'Ngalima a été mise en arrêt tout ce matin en raison d'une fuite causée par un engin qui a endommagé la grande conduite d'eau. Conséquence, une interruption dans la fourniture d'eau est observée depuis ce matin. La régie des eaux rassure qu'une équipe est déjà mise à pied d'œuvre au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue Kisangani dans la commune de la Gombe afin de limiter les dégâts en attendant une solution durable. Serge Mata nous en dit plus. C'est donc ici, dans ces chantiers de construction d'un immeuble exécuté par la société Imo Rose, que la source de la fuite d'eau a été localisée et détectée. Une fois alerté, le directeur général adjoint de la régie des OSA, ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele, s'est rendu sur le lieu. Question de s'imprégner de la situation et mobiliser également les équipes dépêchées sur le terrain pour une réparation efficace. Certes, ils sont venus nous contacter en retard. Pendant qu'ils ont payé, ils devaient attendre que nous puissions déplacer la conduite. Malheureusement, ils ont touché à une grosse conduite de 500. Sur place, le directeur général adjoint de la régie des OSA, qu'accompagnait le directeur régional de Kinshasa Ouest, a donné des instructions fermes aux responsables de l'entreprise Imo Rose qui exécute ses travaux. Nous demandons à toutes les entreprises qui sont en train de faire des travaux de pouvoir contacter en avance la régie des OSA. Et non pas vous avez commencé, vous venez la régie des eaux. La situation devrait progressivement revenir à la normale dès la fin des travaux. Nous les prenons d'abord nos excuses et nous rassurons les uns et les autres que nos équipes sont à pied d'être en train de travailler jusqu'à la fin des travaux dans un délai très court pour que nous puissions réparer l'exploitation. Lors de cette descente, ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele a par la même occasion condamné et dénoncé l'occupation anarchique de plusieurs sites de traitement de l'eau et les raccordements frauduleux des réseaux de canalisation de l'eau potable, la régie des OSA, par des particuliers. Et puis ce communiqué de la régie des eaux, justement, la Société nationale d'électricité SNEL SA informe à son aimable clientèle de certains quartiers des communes de Kimbanseke, Massina, Njili, Nsele, que suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension de Kimbanseke, la fourniture de l'énergie électrique sera momentanément interrompue ce vendredi 31 mai 2024 de 8h à 18h. La SNEL, la régie des eaux, présente ses excuses pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté. C'est un communiqué signé par la SNEL et son directeur général. Clôture de la campagne de vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité de change manuel en République démocratique du Congo. Les personnes ciblées dans cette campagne, les bureaux d'échange et les cambistes manuels de tout le territoire congolais. Dada Chabani, Gir Kabamba. Après 4 jours de sensibilisation des opérateurs d'échange manuel, à savoir les cambistes manuels et les bureaux d'échange, la campagne de vulgarisation du règlement d'échange en RDC s'est clôturée au district de la Tchango. Cette campagne, organisée par la Banque centrale du Congo, accompagne les décisions urgentes prises par le gouvernement pour la stabilité du taux d'échange sur toute l'étendue de la République. Cette campagne, menée dans les 4 districts de la capitale, était axée sur 4 thématiques, à savoir le strict respect de l'instruction administrative de la BCC numéro 007 portant réglementation d'échange en RDC, les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et enfin la transmission des informations relatives aux activités d'échange à la BCC à travers l'application BCC Forex. À cela s'ajoute la dénonciation des clients suspects, des cambistes et des bureaux d'échange à la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF. À la cérémonie de clôture, le directeur Kaloubi a, au nom de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedimbui, épinglé les décisions phares de cette campagne pour la stabilité du taux d'échange. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel de bras à tout changeur manuel qui n'est pas agréé de se mettre en ordre, n'est pas affiché le taux d'échange en pleine rue, car cela alimente la spéculation. Le taux d'échange doit être affiché à l'intérieur de vos locaux.
adhéré à la Corporation professionnelle des cambistes manuels, en sigle CORCAM, a appliqué les normes de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et ce, afin d'empêcher les personnes malveillantes de faire entrer dans le secteur financier des fonds acquis par des moyens illicites. Les cambistes manuels et les bureaux d'échange sont les acteurs majeurs de l'activité d'échange car leur comportement a une influence sur les taux d'échange journaliers. La Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga, a organisé un atelier sur la réalisation des mini-centrales électriques. Les participants à cet atelier vont étudier les possibilités d'installer ces mini-centrales dans les eaux du bassin du Congo et du fleuve Ougwe. Christine Nenzo, Simon Kankolongo pour ce reportage. C'est un atelier qui réunit plusieurs experts des pays membres de la CICOS. Les participants vont tabler 3 jours durant sur la réalisation des mini-centrales hydroélectriques dans le bassin du fleuve Congo et du fleuve Ogoué, organisé par la CICOS avec l'expertise du Centre de formation professionnelle de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans l'optique de proposer des éclairages nécessaires à la construction des premières ébauches du plan de mise en place des synergies entre pays sur les questions énergétique, comme le précise Dr Marie-Thérèse Itongo, secrétaire générale de la CICOS. Dans ce cas particulier, des États membres de la CICOS, baignés par cette énergie liquide qui alimente les bassins des fleuves Congo et Ogoué, la densité de cette ressource hydraulique encourage le développement des mini-centrales hydroélectriques. Pour relever les défis de l'intégration, la CICOS épouse la vision 2025 de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, faire de la CEMAC un espace économique intégré, émergent, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. Pour les formateurs, Philippe Amovi Boko, en sa qualité du président de ce centre basé à Cotonou, cette rencontre est une idée valorisée par les centres du Cotonou qui cherchent à accompagner les États d'Afrique en matière de mise en œuvre de ces mini-centrales hydroélectriques. Dans le cadre de nos missions en RDC, nous avons pu nous rapprocher de la commission CICOS, qui elle s'occupe donc des pays du bassin du fleuve Congo de l'Ogoué. Ce rapprochement a consisté à savoir un peu comment nous pouvons accompagner les projets gouvernementaux, les thématiques que les États veulent développer, dont les questions de valorisation des ressources en eau. En la matière, l'eau produit de l'électricité. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, on n'a pas pu, avec tout ce qu'on a comme couverture hydraulique autour du fleuve Congo et ses affluents, on n'a pas encore assez d'installations permettant d'arriver à l'autonomie énergétique. Des activités containers du port de Matadi, l'intersyndicale des agents de l'ONATRA se réjouit des nouveaux éléments rassurants obtenus auprès du ministre sortant des transports, voies de communication et des enclavements sur le fond et la forme du partenariat signé entre le gouvernement de la République et le consortium mondial Méditerranée Shipping Company. Au départ, les bases syndicales et jusqu'à présent, au contraire, nous n'étions pas associés. Et par rapport à ces contrats. Et c'est pourquoi notre opposition farouche, parce qu'on ne peut pas faire une mise en concession, ça pour autant associer les bases syndicales. Mais vu les éléments nouveaux, nous avons sollicité une audience à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, auprès du président de la République, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et par rapport aux éléments nouveaux, nous voulons, nous, bases syndicales, et rencontrer le chef de l'État parce que c'est lui le gérant de la nation, c'est lui le magistrat suprême. Et après les échanges avec le président de la République pour sauver cette entreprise, aussi permettre aux travailleurs de recouvrer leur vie. Parce qu'aujourd'hui, la crise au niveau de l'ONATRA, c'est une crise bloquée injustement malgré les exigences du chef de l'État par le ministre des Finances, à travers notre créance de 2,7 millions et plusieurs accords et décisions du chef de l'État gelés par le ministre des Finances, c'est ce qui a causé aujourd'hui même des agitations, bien entendu, parce que si nous sommes en possession de notre argent, le naturel même est capable de tout faire pour la relance. Mais maintenant qu'il y a des éléments nouveaux, j'affirme encore, nous sollicitons une audience à travers son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, de nous
Kobi auprès du président de la République afin de trouver une solution gagnant-gagnant. Nous sollicitons à travers son excellent monsieur le ministre des Transports, qui nous remercions sincèrement, une audience de nous conduire auprès du président de la République qui est le garant de la nation. La vulgarisation du code numérique en RDC, c'est le thème d'une conférence scientifique qui s'est tenue à la Haute École du Commerce, une conférence qui a permis aux étudiants d'être en contact avec la codification de la pratique numérique en RDC. Sylvie Mwembo, Junior Bonyoma. Enjeux et opportunités pour les entrepreneurs et managers, thème développé au cours de cette conférence tenue à la Haute École du Commerce sur la vulgarisation du code numérique en République démocratique du Congo. Organisée par la Haute École du Commerce, que dirige le directeur général Edson Nyonsoba, la conférence a permis aux étudiants d'être en contact avec la codification de la pratique numérique en RDC. Eberhard Kachmir Kolongele, ministre sortant du numérique, est revenu sur le grand titre, le chapitre et les axes principaux du code numérique en République démocratique du Congo. Cet outil juridique qui est la réponse technique à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui le pionnier, n'est-ce pas, du chantier de la digitalisation dans notre pays. Moïndo Nzangi, ministre sortant de l'enseignement supérieur et universitaire, salue la tenue régulière des conférences dans le milieu universitaire. Nous avons plus ou moins 14 millions de ressources pédagogiques disponibles sur la bibliothèque numérique nationale pour permettre aux gens, même lorsqu'ils n'ont pas de bibliothèque physique, de pouvoir accéder à ces données. Aujourd'hui, nous avons été sensibilisés sur le code national du numérique. Demain, ce sera d'autres thématiques et c'est ainsi que l'université va continuer de vivre et faire vivre sa communauté. La vulgarisation sur le code numérique va se poursuivre sur l'ensemble du pays et dans tous les secteurs de la vie nationale. Comment élaborer une feuille de route nationale sur les tourbières et l'eau du bassin du Congo? La question est au centre d'un atelier qui a réuni les experts internationaux et nationaux. L'objectif est de protéger la biodiversité tout en tenant compte du développement socio-économique des communautés. Mamita Bangula pour ce reportage. Le carbone fait partie du magnifique paysage du lac Tumba. Ce projet CV est une contribution à la mise en place d'un environnement propice et d'un développement de la biodiversité. Tout ceci est rendu possible grâce à des aménagements qui favorisent la surveillance des tourbières. Cet atelier est placé sous l'égide du ministère de l'Environnement durable et du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans son allocution, le secrétaire général de l'environnement, M. Benjamin Toirambe, a livré les attentes du gouvernement quant à la réalisation de ces projets. Ces projets, ça nous aide à comprendre réellement comment les tourbières jouent son rôle économique d'abord, social et écologique surtout. C'est l'occasion pour que les gens puissent s'approprier de cet écosystème. Nous ne pouvons plus jouer comme on jouait auparavant. Avec des forêts marécageuses, il faut les protéger. Il faut que ce milieu soit toujours regorgé d'eau. Parce que si ça sèche, c'est fini. On aura des tourbières, mais le carbone qui est stocké va aller dans l'atmosphère et on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Madame Annie-Claude Zom-Zamo, chargée des programmes des Nations Unies pour l'environnement, a présenté le tableau qui reprend les différentes articulations de ces projets, dont entre autres, l'adoption par l'INEA en 2019 d'une résolution qui appelle les États à mettre davantage l'accent sur la conservation, la gestion durable et la restauration des tourbières partout dans le monde. Cet atelier a connu la participation d'experts internationaux et nationaux. Le secteur du tourisme est appelé à reprendre sa place de pourvoyeur des recettes. Didier Pambia, nouveau ministre du tourisme, a la lourde mission de relever ce défi. Cédric Kenina nous en parle dans son commentaire. Sur ses solides épaules repose désormais la responsabilité du secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Didier Pambia est parmi les entrants au sein du gouvernement souminois et a reçu l'impérieuse mission et relancer le tourisme en République.
démocratique du Congo. Domaine catalyseur dans la création d'emplois et les développements, le nouveau ministre compte mettre en place des politiques susceptibles de réveiller les potentiels touristiques du pays à travers des infrastructures d'accueil dignes de ce nom. Autre levier sur lequel il compte s'appuyer, c'est celui de la réhabilitation et révalorisation des infrastructures touristiques existantes. Et dans cette euphorie générale, cadres et militants du mouvement de solidarité pour le changement ont fait montre de leur gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le choix de celui qui occupe jusque-là le poste de président interfédéral de l'Ukunga. Saluant également en même temps la loyauté du nouveau ministre à son autorité morale, Laurent Batoumona. L'équipe soignante de la polyclinique Pierre-Ronquet de la commune de Kimbanseke était en formation théorique et pratique sur les techniques de prise en charge en cas de situation urgente, des techniques apprises par les experts en neurologie venus de l'Italie. Tété Bongunja pour ce reportage. La polyclinique Pierre-Ronquet, œuvre de l'ONG COGDF, située dans la commune Kimbanseke, route Mokali, a bénéficié d'une visite de la délégation de neurologues venus de l'Italie en vue de renforcer les capacités de l'équipe soignante. Une fois arrivée sur place, la délégation italienne a fait la ronde des installations hospitalières. Après la visite, le temps fort était la séance de formation théorique et pratique sur plusieurs techniques de prise en charge en cas de situations urgentes. L'initiateur de l'ONG COGDF est revenu sur le bien fondé de cette formation. Pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes même dans la vision de la gratuité de la maternité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est une joie immense. Les amis, les frères et sœurs qui sont venus de l'Europe, de l'Italie précisément, ils ont appris par les voies des ondes que non, il y a une structure là qui est liée au développement endogène de notre pays. Et cette structure a besoin quand même de l'appui, parce que nous vivons avec des moyens de bord, avec la subvention de l'État bien sûr, mais ce sont des cotisations des membres qui font à ce que la visibilité des actions du chef de l'État soit palpable. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État qui fait de la santé des Congolais son cheval de bataille, COGDF, à travers sa polyclinique Pierre-Ronquet 1 de Kinshasa, matérialise cette vision par des actions concrètes à impact visible. Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal. Le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière des contentieux des résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en appel appellera à son audience publique de ce vendredi 31 mai 2024. L'affaire aussi après. Le regroupement politique Nouvel Ordre Politique à l'horizon 2023 en République démocratique du Congo, NOP H2023-R. RDC en sigle contre M. Miché Mombonga Lobo, provisoirement proclamé gouverneur de la province du Sud Ubangi. C'est un communiqué signé Jules Mathieu Ekatou Limbele, le greffier en chef. Et puis cet autre communiqué, le conseil d'administration informe le personnel et la délégation syndicale du fonds forestier qu'en exécution des résolutions de sa 14e réunion ordinaire du 7 mai 2023, il a été décidé de mettre le fonds forestier national sous encadrement de l'inspection générale des finances, IGF. En attendant cet encadrement, le conseil d'administration a pris la mesure conservatoire de bloquer les débits de tous les comptes bancaires du fonds forestier à partir du mercredi 29 mai 2024. La levée de cette mesure conservatoire aura lieu sur décision du conseil d'administration en concertation avec la tutelle de l'inspection générale des finances sur certaines conditions. Toutes ces résolutions et mesures sont prises dans l'intérêt du fonds forestier national, de son personnel, de la nation et pour matérialiser la promesse du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de préserver les forêts de la RDC, pays solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, contrairement aux informations qui circulent, les débits des comptes bloqués seront autorisés pour les dépenses visées et autorisées par l'IGF, relatives notamment au paiement des salaires et autres avantages du personnel. C'est un communiqué signé Rigobert Kuta Mwanakuta, président
président du conseil d'administration. Fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue avec Serge Mata à 23h. Merci à Yolande Voka qui a réalisé ce journal. Moi, je vous retrouve le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.